Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Darcio Gandaga, CEO de Trueneur Media. La vidéo de cette semaine est extrêmement importante parce que le sujet me passionne. On parle d'église. C'est extrêmement important parce que, vous savez, la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. La parole de Dieu est plus importante que le journal de 20 heures. La parole de Dieu est plus importante que les films, les feuilletons, les documentaires, quel que soit ce que nous suivons à la télévision. Mais quand il s'agit des médias et de la présentation de la parole, ben, ce n'est pas présenté comme il se doit à cause du manque de professionnalisme des églises et départements médias des églises. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'une petite portion d'églises, surtout dans la francophonie, qui essaye vraiment de communiquer comme il se doit, mais il y a une grande différence avec les églises anglo-saxonnes. Pourquoi? Parce qu'au niveau des médias, il y a une question de mentalité que je suis en train de vraiment perforer avec mon équipe d'enseignants dans le monde entier qu'on appelle coach. Et en fait, en train de changer la mentalité pour que les gens commencent à pouvoir investir sur la parole. Et s'ils investissent sur la parole, investir surtout sur l'éducation qui vient de la parole. Donc en fait, la parole de Dieu qui est décortiquée d'une façon où les gens peuvent assimiler cette parole et l'appliquer, quelque chose de pratico-pratique. Vous savez, le problème que certains intellectuels ont avec la parole de Dieu, c'est que nous sommes des rêveurs, on fait du bruit, il n'y a pas de résultat. Mais parce que les gens qui ont l'enseignement, les gens qui peuvent enseigner cette parole comme il se doit, n'ont pas les outils ou n'ont pas la connaissance, n'ont pas la technologie et le logiciel pour pouvoir le faire avec une stratégie qui a un impact. C'est pour ça que ce cours va transformer votre vie, parce que ça va vraiment vous donner l'impact que vous recherchez. L'impact sur votre âme, l'impact sur votre intellectuel et bien sûr sur votre corps physique. Vous savez, la Bible, c'est un livre qui est complet. Mais si ce n'est pas enseigné, en fait, avec vigueur, avec des enseignants qualifiés qui savent décortiquer la parole et la présenter avec l'outil des médias comme il se doit, on ne pourra pas le faire. C'est pour ça que je vous promets que ce cours, stratégie média pour les pasteurs et pour les églises, doit vous amener à un autre niveau. Sinon, vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est pour ça que je vous invite ce 25 août 2017 à acheter ce cours Stratégie Média pour les églises et les pasteurs qui vont vraiment transformer votre vie à un autre niveau. Vous comprenez? C'est très 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 important pour vous de pouvoir le faire. Et bien entendu, j'ai une surprise, un bonus pour vous. Ce lundi 21 août, je vous sors un cours surprise qui s'appelle Montage vidéo pour les entrepreneurs. Pourquoi montage vidéo pour les entrepreneurs? La stratégie média pour les pasteurs, je parlerai en fait de l'auto-édition, je parlerai du podcast, je parlerai des vidéos, je parlerai en fait des émissions télé et bien sûr la stratégie pour agencer tout cela jusqu'à la promotion de certaines églises dont, au niveau en fait du métro, si vous habitez en France, et de certaines autres choses qu'on ne voit pas dans la francophonie, en fait, qu'on appelle des billboards, donc des signes en fait sur les autoroutes pour avancer et annoncer la bonne nouvelle. Okay? Donc le montage vidéo, je vais faire quelque chose où je juste me concentre sur le montage vidéo qui va en fait complimenter en fait ce cours qui sort le 25 août. Sur le montage vidéo, pourquoi? Parce qu'il y a 80% en fait du trafic sur Internet qui est basé sur les vidéos. Je ne fais pas les vidéos parce que j'aime les vidéos, je fais les vidéos parce que c'est le moyen de communication le plus efficace sur Internet en ce moment. Parce que Internet est bien moins cher que de pouvoir avoir une émission télé, une émission radio. Vous comprenez cela? C'est pour ça que nous le faisons. Mais je vois qu'il y a trop de vidéos amateurs, surtout pour les gens qui commencent, même certaines églises qui sont établies, qui ont peut-être une image nette, mais au niveau de la stratégie, pour pouvoir avoir en fait une émission qui est vendue, ils n'arrivent pas à le faire. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important pour vous d'avoir cela et d'arriver et être vraiment à un autre niveau dans votre vie. Là, vous allez comprendre comment pouvoir avoir un impact. Et tant que vous n'avez pas cet impact-là, ce sera très, très, très dur pour vous d'arriver à ce stade-là. Donc, bien sûr, c'est Darcio Gandaga, CEO de Trueneur Media. Je vous invite à vraiment prendre le temps de cliquer sur le lien pour accéder à ce cours le 21 août. Le 21 août. Voilà, c'est là juste là. 21 août. On est lundi, ben le cours est là, montage vidéo, et ça va transformer votre vie, vous amener à un autre niveau. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous donner une musique. Non, 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 c'est à vous de vous dire, vous savez quoi? J'en ai marre de me battre avec les vidéos. Parce que vous savez, allez sur Internet, demandez à une personne, je veux une vidéo, comment utiliser un écran vert, comment aller dans un studio de télévision
et mixer la vidéo pour vous, la mettre en fait sous plusieurs formats, ça vous coûtera au moins 1000 euros. Mais ce cours ne coûte que 250 euros. Et le prix va augmenter après le 25 août. Donc c'est à vous de prendre une décision entre le 21 et le 25 pour pouvoir vous positionner pour gagner. La rentrée, c'est au mois de septembre. On a 3 mois avant la fin de l'année. Vous savez comment on fait pour être un champion au mois de janvier, au mois de février, dans l'année 2018? Mais il faut commencer 3 mois avant que l'année finisse. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. C'est maintenant qu'il faut positionner pour pouvoir impacter votre génération. C'est Darcio Gondaga, CEO de Trulon Media. On se parle la semaine prochaine. Au revoir.